Salut! Alors, je vous souhaite la bienvenue à la séance. Et on va se déposer sur notre tapis pour commencer. Vous pouvez descendre, vous placer à genoux au milieu du tapis. C'est une séance, oui, de power yoga, mais elle sera très lente et quand même douce parce qu'on a besoin de calme. On a besoin de ralentir. Le fait de ralentir le corps, ça aide à ralentir l'esprit. C'est pourquoi le yoga, c'est une méditation en mouvement. Sans même se concentrer sur l'effort de ralentir nos pensées, sur l'effort de ne penser à rien, en guillemets, bien, on le fait. Parce qu'on est dans le corps se mobilise lentement, en pleine conscience, comme on ne le fait jamais. Et ça donne cette magie-là aussi à notre mental. Ça transfère la magie du corps jusqu'à l'esprit. C'est ma façon de le voir. Alors, les paumes de main sont près des genoux. Les hanches, les fessiers sur les talons. Et on va s'allonger, faire un dos très long. Imaginez qu'une corde au sommet arrière de la tête vous allonge. Donc, le menton se rapproche un petit peu de la poitrine. On va profiter de ce moment-ci pour observer à chaque expiration les épaules qui descendent, les omoplates qui s'abaissent vers le milieu du dos. Nos abdominaux sont activés. On peut prendre une grande inspiration. Et en expirant, on se déroule vertèbre par vertèbre. On veut bouger lentement jusqu'à déposer le front au sol. Si on sent que le sol est loin pour nous, on peut placer un bloc et déposer le front sur le bloc. On va avoir de la visite. On a Mathéo qui est avec moi. Alors, dans la posture de l'enfant, le front est déposé, les jambes, genoux peuvent être près l'un de l'autre ou éloignés. Et là, vous voyez que moi, je me relève pour vous parler, que vous m'entendiez bien, mais restez au sol, restez déposé et suivez ma voix principalement. Puis c'est le cas pour toute la séance. L'idéal, c'est d'essayer de se concentrer sur ma voix et le moins possible me regarder, c'est tentant. Mais il n'y a rien de plus beau à voir que votre intérieur en ce moment et ce que vous ressentez. Alors, on est bien déposé, les respirations s'approfondissent tranquillement. Plus on approfondit nos respirations, plus on devrait sentir, ou on souhaite en fait sentir que l'inspire soulève le bas de notre dos vers le ciel et que l'expire crée toujours de plus en plus de détente. Alors, on est encore dans la posture de l'enfant et si on avait choisi d'amener les bras le long des jambes, on pourrait maintenant les amener loin devant dans la posture de l'enfant allongé et on va activer les mains vers le sol. Donc on presse avec la paume des mains, chaque phalange et le bout de chaque doigt vers le plancher. En pressant vers le sol, on va légèrement tirer sur le tapis comme si on voulait rapprocher le tapis du milieu de notre corps et ça va dégager, abaisser les épaules loin de nos oreilles. À la prochaine inspiration, en inspire, on se soulève, épaules au-dessus des mains. On arrive à quadrupède ou à quatre pattes et dans le quadrupède, on s'assure d'avoir un dos long, neutre, on dégage les épaules des oreilles, les abdominaux sont forts. Et on va travailler l'équilibre spinal, aussi appelé le Superman, en soulevant bras et jambes opposés. On soulève donc une jambe et le bras opposé. On veut faire une ligne
avec notre tronc, notre jambe en arrière et notre bras loin devant. Le pouce de la main qui est soulevée pointe le ciel. Et on veut niveler les hanches, niveler les épaules et garder un bas de dos qui est neutre. Donc, on va éviter de le laisser tomber, de laisser tomber notre nombril et que le dos se creuse. On prend une grande inspiration dans l'équilibre spinal. En expirant, on amène coude vers genou jusque là où c'est possible et on fait un dos de chat. On inspire, on s'allonge. Expire, coude vers genou jusque là où c'est possible. Même chose, inspire, on s'allonge. Toujours en nivelant les épaules, les hanches et le dos long. Expire, coude genou. Une dernière fois. Inspire, on s'allonge. Expire, coude vers genou. Et on dépose la main, le genou au sol. On va faire dos de vache, dos de chat quelques fois avant d'aller faire l'équilibre spinal de l'autre côté. Alors, on creuse légèrement le dos. Surtout, on s'allonge et on dégage les épaules de nos oreilles. On prend une inspiration. À l'expire, dos de chat, on fait l'inverse. On pousse le bas du dos vers le ciel et on relâche la tête. Inspire. Creuse légèrement, mais surtout, on s'allonge. Expire. Dos de chat. Et là, c'est normal ici qu'on n'ait pas tous la même courbe dans le bas du dos au moment où on fait l'extension ici. On n'essaie pas d'aller plus loin que ce que le dos nous permet, ce que notre dos à nous dit. Expire, dos de chat. Une dernière fois, on inspire, on creuse légèrement et on s'allonge. Le sternum veut regarder, s'allonger loin devant. Expire, dos de chat. On replace le dos neutre. Équilibre spinal de l'autre côté. Donc, la nuque en ligne avec notre tronc soulève l'autre jambe et le bras opposé. Le pouce se soulève et pointe vers le ciel. On veut niveler les épaules, les hanches. Activer les abdominaux. On prend une inspiration. En expirant, on pointe coude vers genou. On voudrait les faire se toucher ou on les rapproche. Et on inspire, on s'allonge. Expire, coude vers genou. On fait toujours un genre de petit dos de chat pendant qu'on rapproche le coude et le genou. On inspire, on s'allonge. Expire, coude et genou. Inspire, allonge. Expire, coude vers genou. Et dépose le genou et la main au sol. Encore une fois, le dos de vache creuse légèrement, aussi appelé dos de chien, parce que ça se peut que vous participiez des fois à des cours avec d'autres profs, on n'a pas tous les mêmes termes. Expire, dos de chat. Et on revient dans un dos neutre. On inspire, on agrippe nos orteils sur le tapis. Et on va aller vers le chien tête baissée, appui rapproché. Donc, ce n'est pas le chien tête baissée régulier. On commence par une version un peu plus facile de la posture. On soulève les genoux du tapis. On pousse les hanches vers le ciel et l'arrière. Et on garde nécessairement, ou en tout cas, on s'autorise à le faire, une flexion dans nos deux genoux. On place nos mains à la largeur où c'est confortable pour nous, où c'est possible pour nous de garder les épaules dégagées de nos oreilles. Et on garde les abdominaux actifs. On va profiter de la posture du chien tête baissée, appui rapproché. Ça veut dire que nos mains et nos pieds sont relativement proches l'un de l'autre. Pour respirer, sentir l'étirement dans les mollets, sentir les talons, s'alourdir, tomber vers le sol, sans nécessairement se mettre comme objectif ultime de toucher le sol. Et nos oreilles sont entre nos biceps, ce qui permet à la nuque de rester en ligne avec le tronc. Ensemble, deux respirations conscientes dans la posture et on essaie à chaque expire, inspire, d'amener à l'expire. Expire maintenant, plus de poids dans les pieds, d'alourdir les talons, inspire. Et à l'expire, plus de poids vers les talons et les abdos qui restent actifs. Et tranquillement, un petit pas à la fois.
On va déposer à chaque fois le talon. On monte sur le bout de nos doigts en avant pour se créer l'espace, pour marcher jusqu'à nos mains. On marche tranquillement jusqu'à temps d'arriver à nos mains, devant, à peu près à deux pieds. Je ne suis pas bonne en pied. Deux pieds du bout du tapis. On arrive dans la pince. Et dans la pince, on ne se met pas comme pression d'aller toucher le sol. On fait juste se relâcher. Observez le poids, comment il est réparti dans nos pieds. Donc, le poids bien réparti, des talons jusqu'aux orteils. Mini flexion dans les genoux. Si on est à l'aise, on peut allonger un peu plus. Ou fléchir un peu plus nos jambes au besoin. La tête et les bras sont très lourds. Le haut du dos complètement relâché. Et on profite de la pince pour deux respirations conscientes. À l'inspire, on va gonfler l'abdomen au maximum. Ça se peut que ça appuie sur les cuisses, que ça nous soulève légèrement. Et à l'expire, on se sent un peu plus lourd dans la posture. On a toujours le poids bien réparti sous les pieds. Inspire. Et expire, on est toujours plus lourd. Relax. En inspirant, on se soulève vers un dos plat. Dos plat, il y a deux façons de le faire. On peut garder les majeures au sol, vouloir allonger le tronc, pousser le sternum en avant. On peut aussi amener les mains sur les tibias. Les deux versions sont bonnes pendant toute la séance. Vous choisissez votre version préférée, votre version à vous de la posture du dos plat. On l'appelle aussi demi-flexion dans certains cours, si jamais vous en suivez avec d'autres personnes. Alors, dans le dos plat, on prend une inspiration, celui de notre choix toujours. Expire, on relâche, on ancre les mains au sol, on plie les genoux, on a l'option de marcher ou de sauter en arrière dans la planche. Dans la planche, on va déposer les genoux, activer les abdos, s'assurer à la descente qu'on va garder les coudes collés, on inspire dans la planche. Expire, on descend vers le sol. Et on soulève le haut du dos en bébé cobra. Coude qui pointe en arrière. Presque pas de poids dans les mains parce que la posture est musculaire. Nos abdos restent actifs et on respire, on maintient la posture. Nos jambes veulent se coller. Le dos de nos pieds veut pousser vers le sol. Et on s'assure que la nuque reste longue. En ligne avec le tronc, pour ce faire, on peut fixer un point devant au sol. Comme dirait mon amie Christelle, on n'a rien de beau à voir en haut et rien de plus beau au ciel. On regarde droit devant, droit au sol pour protéger la nuque. Vous devrez sentir qu'il y a beaucoup de chaleur autour de la colonne vertébrale. Les muscles expanseurs du tronc qui commencent à travailler en endurance. Peut-être les jambes, les fessiers. Et n'oubliez pas qu'il n'y a presque pas de poids dans les mains, donc les bras présentement ne travaillent pas très fort. On s'assure de pointer les coudes en arrière, toujours dans la longueur, dans la force. On prend une inspiration. À l'expire, on revient vers le sol. On se soulève à la demi-planche en activant les abdos. On agrippe les orteils et on va à notre premier chien tête baissée régulier. Au moment où on soulève, on veut garder les pieds et les mains là où elles sont. On active toute la main vers le sol. Et dans chien tête baissée, on va observer les alignements importants. On commence par nos mains, bien sûr, donc les mains, comme j'ai dit, bien ancrées au sol. Ensuite, on s'en va observer la posture de nos épaules. Est-ce que nos épaules sont proches des oreilles, haussées? Si c'est le cas, on les abaisse. On crée une rotation externe. Ensuite, on s'assure que les abdominaux sont activés. Comme tantôt, on observe les genoux, légère flexion, et on s'en va aux talons qui sont lourds et qui veulent tomber vers le sol. On peut maintenir la posture de notre chien tête baissée. On va prendre une grande respiration.
À l'expire, toujours plus ancré dans le chien tête baissée, on observe le fait d'amener plus de poids dans les pieds que dans les mains. Et on soulève le talon droit vers le ciel. Chien trois pattes. On va garder les hanches fermées. Pousser le talon vers l'arrière du ciel. On prend une grande inspiration. Talon ciel, chien trois pattes. Expire, genou vers le coude droit en grimpeur. Donc là, les abdos travaillent fort. À chaque fois qu'on amène le genou, on descend le corps, les hanches en posture de planche. On retourne à chien trois pattes. On inspire. Expire, genou vers coude droit en grimpeur. Inspire, dernière fois, talon ciel. Et expire, pied droit qui vient se déposer entre les mains. Pour le faire, on active fort les abdos, on éloigne le tibia du sol et on marche le pied là où c'est possible. Si notre pied est arrivé ici, mettons, le genou dépasse nos orteils, on veut éviter ça, donc on va prendre la cheville et amener le pied plus loin en déposant notre genou gauche derrière. Pour ensuite se ressoulever. On est arrivé dans la fente au sol. Et dans la fente au sol, on veut garder un alignement entre le tronc et la jambe gauche. Garder le tronc léger, on ne veut pas l'appuyer sur la cuisse droite. Presque pas de poids dans nos mains non plus. On prend une grande inspiration. À l'expire, on ajoute notre première torsion. Main gauche au sol et bras droit vers le ciel. On s'assure que le genou droit pointe en direction des orteils, droit devant. On s'assure que les abdos sont activés pour protéger le bas de notre dos dans la torsion. Et on pense à nos deux épaules qui s'abaissent, se dégagent de la nuque. On tire les doigts vers le ciel, on prend une inspiration. En expirant, on maintient la posture au niveau des jambes et du tronc et on amène main droite dans le bas du dos. En appuyant la main droite dans le bas de notre dos, on peut ouvrir peut-être un peu plus l'épaule parce qu'on a un appui. Donc, on pousse l'épaule vers l'arrière et le bas pour créer de l'espace et tourner la tête si la nuque nous le permet. Alors, on prend une inspiration ici. À l'expire, on dessine un grand cercle avec le bras droit jusqu'en avant, de retour à la fente au sol. Alors, on ancre bien nos appuis. Pied droit en ligne avec notre hanche droite. Pied gauche en ligne avec la hanche gauche. Et on va inverser un plongeon, activer les abdos. En se soulevant, on dessine un grand cercle avec les bras. Inspire jusqu'à la posture du croissant. Alors, dans le croissant, les épaules s'abaissent, les paumes se regardent et les doigts sont forts. On va s'assurer que nos deux hanches font face au bout du tapis. Les jambes sont fortes. Au besoin, on peut s'allonger un peu si on sent le besoin de prendre un petit moment de repos. Et dans le croissant, on prend une inspiration vers l'ouverture du cœur avec la posture du cactus. On expire, coude vers les côtés, les paumes regardent droit devant, abaisse les épaules. Inspire encore dans le croissant et expire. Cactus. Le sternum se soulève, les coudes s'abaissent. Inspire, croissant. Expire, cactus. Une dernière fois, inspire. Croissant, expire, cactus. On va amener les mains ensemble au cœur. Prends une inspiration, fente en prière. Et à l'expire, marche devant tout simplement. Amène le pied gauche avec le droit dans la montagne en prière. Dans la montagne en prière, on va s'assurer de créer la tension dynamique entre nos deux jambes, c'est-à-dire qu'avec les pieds, on va pousser vers le sol et vers les côtés, comme si on voulait déchirer le tapis entre nos deux pieds. Ça va faire travailler la cuisse, mollet, la jambe dans 3-4
360 degrés. Et c'est ce qu'on souhaite parce que la montagne, ce n'est pas une posture relâchée, c'est une posture dynamique. Alors cette tension-là, elle existe, elle est présente, elle nous soulève. Les planchers pelviens qui s'activent, les abdominaux jusqu'au sommet de la tête. On sent la longueur, l'enracinement, le sommet de la tête qui est léger. Et on observe nos respirations. Fermez les yeux. À chaque expiration, les épaules sont lourdes, les épaules s'abaissent, les trapèzes se détendent. Qu'on a bien retrouvé le centre, le calme. On y va pour le même enchaînement avec notre jambe gauche. Et on inspire en dessinant un grand cercle avec nos bras jusqu'au ciel, grande montagne. Expire et plonge vers la pince en prenant soin de garder les abdos actifs et de fléchir les genoux, les bras s'ouvrent et on arrive dans la pince. On prend une inspiration dans le dos plat de notre choix, majeur au sol ou paume au tibia. Expirez, relâche dans la pince, ancre les mains, plie les genoux, marche ou saute dans la planche. On prend une inspiration dans la planche, on expire, dépose les genoux, abdos forts, coudes collés, on descend Chaturanga Dandasana jusqu'au sol. On inspire, bébé cobra. Donc, presque pas de poids dans les mains. Expire jusqu'au sol. Abdos actifs, demi-planche. Et là, on serait dans le même expire, agrippe les orteils et pousse les hanches au ciel, chien tête baissée. On révise nos alignements, chien tête baissée, on pense à nos mains. Nos épaules, nos abdominaux, nos genoux, nos talons. On fait la séquence que j'ai nommée tout à l'heure pour bien se positionner dans cette posture-là qui est simple, mais pas simple. Prochaine inspiration, on va soulever cette fois-là le talon gauche, bien ancré, beaucoup de poids dans le pied droit, le talon droit qui est lourd. On lève le pied gauche et le pied est flex, les hanches sont fermées, donc nivelées à l'horizontale. On prend une inspiration, chien trois pattes, on expire, genou vers coude gauche, grimpeur. On inspire, chien trois pattes. Expire, genou vers coude gauche, grimpeur. Encore une fois, on inspire, chien trois pattes. Et on expire, genou vers coude gauche, grimpeur. On retourne au ciel, inspire, chien trois pattes. À l'expire, abdos fort, tibia loin du sol et marche mon pied gauche entre les mains. Comme tantôt au besoin, je dépose le genou, je prends mon pied, je l'avance devant. Et on arrive dans la fente au sol. Le tronc est léger dans la fente au sol. Le tronc est en ligne avec la jambe droite. Léger, c'est-à-dire que le tronc, l'abdomen n'est pas appuyé sur la cuisse gauche. On prend une inspiration, à l'expire, torsion, main droite au sol, bras gauche vers le ciel. S'assure de garder le genou gauche en ligne avec les orteils. Donc, il pointe directement devant. On travaille fort avec les muscles du tronc pour dégager le poids dans notre main droite. Alors, l'appui dans la main est léger. Les deux épaules dégagées de la nuque, de nos oreilles.
On prend une inspiration si on peut, si la nuque le permet. Regarde la main, expire, main gauche, bas du dos. La paume à plat, le coude pointe le ciel. On utilise l'appui pour ouvrir un peu plus l'épaule, créer plus d'espace et tourner la tête si c'est possible. Inspire. Expire, dessine un grand cercle avec le bras gauche jusqu'en avant. Main au sol, retour à la fente au sol. Tronc léger, poids léger dans les doigts. On active les jambes et on renverse un plongeon à l'inspiration jusqu'au ciel. On arrive dans le croissant. Maintiens le croissant à l'expire, les épaules s'abaissent. En abaissant les épaules, si les bras s'ouvrent un peu plus, c'est parfait. On n'a pas besoin de garder les bras rapprochés, on peut les ouvrir. On pense à nos hanches, les deux sont face au bout du tapis. Les abdos sont communs, sont forts, sont présents. On prend une inspiration, les doigts au ciel, ouverture du cœur à l'expire, sternum qui s'ouvre, se soulève, épaules s'abaissent, cactus. Inspire, croissant, expire, cactus, inspire, croissant, expire, cactus, le cœur s'ouvre et on inspire au ciel, croissant. À l'expire, les mains viennent ensemble au cœur. Prends le temps de sentir les épaules s'abaisser, rouler derrière, appui léger des mains. Et on marche le pied droit devant avec le pied gauche. On arrive dans la montagne en prière. Fermez les yeux. Option d'aller vers la montagne régulière ici. On a toujours cette option. Créer la tension dynamique entre nos deux jambes. Les jambes sont actives. Les pieds sont enracinés. Et on sent la longueur monter jusqu'au sommet arrière de la tête. Observe à chaque expiration les épaules s'abaisser. Si vous êtes maintenant debout à l'un des deux bouts de votre tapis, vous pouvez vous déplacer vers le milieu du tapis, exactement comme moi. Et on va marcher les pieds très larges. Les orteils vont pointer légèrement à l'extérieur, donc vers les coins du tapis. On peut faire un test avant de se lancer dans l'enchaînement qu'on fera avec cet ancrage-ci. Avec ces appuis-là. Alors, on veut s'assurer que nos genoux, quand on les fléchit, vont dans la direction de nos orteils. Ce qu'on veut éviter, c'est des genoux comme ça à l'intérieur, surtout parce que c'est ça qu'on va voir en général. Alors, les genoux pointent dans la direction de nos orteils. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez placer les pieds autrement, les rapprocher, les éloigner, les ouvrir, les refermer, juste pour que vos genoux s'alignent, tout simplement. Une fois que les genoux sont alignés, on observe si on a du poids jusque dans le petit orteil et le bord externe de nos pieds. Et voilà, on est positionné, on peut s'allonger. Les bras le long du corps ouverts comme dans une montagne, les épaules dégagées, la nuque qui est longue, les abdos sont forts. Ça, c'est vrai tout le temps. J'en profite ici pour vous faire fermer les yeux. Pour
pour vous faire activer les différents bandhas, les verrous qui sont situés au niveau du tronc, qui constituent le centre de notre corps, donc le centre de notre pratique. Le tronc relie les bras, les jambes à un tout. Et donc, si la racine, le tronc, le milieu de tout ça est fort, bien, il y a des bonnes chances que nos postures soient toutes fortes et plus optimales. Donc, on va s'appliquer à faire que ce tronc-là soit ce qu'il y a de plus fort, de plus solide. Alors, on va commencer par activer le plancher pelvien. Plancher pelvien, on connaît ça. Les gars, vous en avez un aussi, si jamais il y a des gars. J'espère. Alors, plancher pelvien actif, abdominaux actifs. Ça veut dire de tirer un peu le nombril vers le bas du dos. Autrement dit, rentrer le ventre. Mais là, le plancher pelvien est resté actif. Là. Puis il est toujours présent. Plancher pelvien, c'est comme retenir une envie d'uriner. On va le nommer comme ça. Dernier élément, c'est le verrou de la gorge. Si je ne me trompe pas, c'est le Halandara Bandha en sanskrit. Alors, ce verrou-là, comment on l'active? En resserrant les muscles de la gorge pour restreindre le passage de l'air. C'est comme si on voulait créer un son sourd. Ça va ressembler à un ronflement. Ou en fait, c'est le avant-ronflement, on s'entend? Donc, c'est le son où c'est comme si l'air avait du mal à passer la gorge pour se rendre au poumon. Et c'est positif parce que ça ferme le tronc, ça crée cette force-là qui circule au milieu du corps. Ça garde l'énergie entre le plancher pelvien, la gorge et le cœur, plexus solaire. C'est ça qu'on souhaite, donc on resserre un peu les muscles. Et ça prolonge en plus de ça nos inspires, nos expires. Trois verrous actifs. On est reparti dans notre posture, dans notre enchaînement, on ouvre les bras, on prend une inspiration, on va dans le grand X. À l'expire, fleur de lune, les genoux comme tantôt, direction des orteils, les coudes vers les cuisses, comme dans le cactus. On s'assure de garder les abdos activés, on abaisse bien les épaules, on maintient fleur de lune, on va de chaque côté, on inspire, le tronc est fort. À gauche, expire, reviens au centre. Abdos très fort, épaules abaissées. Inspire de l'autre côté. Expire au centre. On a encore du poids jusque dans le bord externe de nos pieds, dans les talons. Les fessiers s'activent. On prend une grande inspiration, grand X. Expire, fleur de lune. Encore une fois, inspire. Et cette fois, rejoins les mains. Expire, main au cœur. Genoux, direction des orteils. Posture de la déesse. Dans la déesse, on va penser à vouloir alourdir, tirer vers le sol, le coccyx. Donc les abdos sont forts, le poids va jusque dans l'extérieur de nos pieds encore. Respiration consciente. Deux fois, on inspire par le nez, on remplit les poumons. À l'expire, plus enraciné, plus bas dans la posture, épaules plus ouvertes. Inspire. Expire, même chose, enraciné, abaissé, épaules abaissées, ouvertes. Et on s'allonge. Retournez les pieds. Orteils en avant. On place nos appuis, nos pieds à la largeur qui nous convient. Et on va aller dans la flexion, jambes écartées, avec quelques variantes. Inspire jusqu'au ciel, les paumes qui se regardent, épaules qui restent abaissées. Et on expire, abdos actifs, genoux fléchis, plonge vers la flexion, jambes écartées. Dans la flexion, jambes écartées, on pourrait même aller porter les talons plus larges que les orteils. Et on relâche bien le tronc, la tête. En gardant une action de nos jambes, c'est-à-dire qu'on crée une tension dynamique en poussant les pieds vers le sol, en faisant comme si on voulait déchirer le tapis. On active toute la jambe et les genoux restent un peu fléchis. Flexion
flexion, jambes écartées, on respire profondément et à chaque expire, le haut du dos et la tête sont plus lourds. Ça étire derrière les jambes, intérieur des jambes et le long du dos jusqu'à la base du crâne. Dos plat, jambes écartées, on prend une inspiration, on garde les majeurs au sol, on active bien nos abdominaux. À l'expire, on garde la main gauche au sol et on ouvre le bras droit vers le ciel. On s'assure que nos deux hanches restent nivelées, donc que les hanches ne bougent pas. On active fort les abdos et on ouvre l'épaule jusque là où c'est possible. On peut avoir ici, moi j'en ai besoin d'un bloc, si vous en avez. Alors on pense, je le répète, à niveler les hanches, à s'allonger, à renforcer les abdos et les bras. On veut qu'ils dessinent une ligne verticale. C'est là où on s'en va. Toutes les indications que je donne, c'est une direction. C'est un objectif, une intention, mais ce n'est pas une obligation. Donc, si votre bras droit au ciel pointe un peu plus comme ça ici, c'est correct, c'est parfait. C'est l'ouverture que vos épaules vous permettent d'avoir ou encore que votre cage thoracique vous permet d'aller chercher. Parce que le corps, c'est un tout, hein? Alors, on voit là où pour nous, c'est possible, mais l'objectif, la direction dans laquelle on s'en va, c'est d'aller jusqu'à, et on arrête où c'est possible, jusqu'à la verticale. On prend une grande inspiration, torsion ici, jambes écartées. Expire, reviens devant, relâche complètement dans la flexion, jambes écartées, tire le dos. Inspire dans un dos plat et expire, main droite au sol sur un bloc et bras gauche vers le ciel. Garde les hanches nivelées, les jambes fortes, les genoux un petit peu fléchis. Et va chercher à peu près une ligne verticale. Si la nuque le permet, on peut regarder notre main gauche au ciel. Une dernière inspiration, le tronc est long, les épaules ouvertes. Expire et ramène la main gauche vers le sol. Si on avait pris un bloc comme moi, on peut s'en séparer maintenant. Et on va revenir relaxer, relâcher le tronc dans la flexion, jambes écartées. Dans cette flexion-là, on peut y aller un peu plus funky, on peut être plus mobile. Donc, on pourrait alterner la flexion des genoux, étirer l'intérieur de chaque jambe. On peut même marcher avec les mains d'un côté et de l'autre. Et si ça nous fait du bien, on peut tourner le pied et juste appuyer notre talon. Tout ça pendant que les abdos restent forts, actifs, présents. Et on revient au centre, flexion, jambes écartées. On va prendre une inspiration ici et en expirant, on se déroule, on fléchit les genoux, on marche talon orteil et on se déroule jusqu'à la montagne. On peut fermer les yeux, observer les alignements, donc l'action des pieds, l'enracinement des pieds dans le sol, l'action des jambes, la longueur du tronc, la détente des épaules, le menton qui se rapproche un peu de notre sternum,
pour dégager la nuque. On va travailler un peu l'équilibre. Alors, sur le pied droit, transfère le poids, active le fessier droit, soulève le genou gauche, hauteur de la hanche. On prend une grande inspiration. À l'expire, on a l'option de rester là et d'allonger notre jambe. On a aussi l'option de garder le genou fléchi ou la jambe allongée et d'aller créer une torsion. Donc, la main droite vient à l'extérieur de notre genou gauche et le bras gauche va s'ouvrir vers l'arrière. Il y a mon chat là, qui fait des signes, je ne sais pas si vous l'entendez. Il est bien étonnant, puis pourtant, d'habitude, il est tranquille quand je fais du yoga. Il cogne n'importe. On va le laisser passer sa bulle. Il devrait revenir à la normale bientôt. Imaginez, lui, il est toujours confiné. C'est peut-être pour ça qu'il tape des murs. Nous autres, on commence à le vivre, puis on trouve déjà ça difficile. Je parle en honte, je parle pour moi. Donc, toujours sur notre pied droit, pied enraciné, genou gauche, hauteur de la hanche, bras gauche ouvert derrière. Si on peut, si l'équilibre nous le permet, si la rotation nous le permet, on regarde en arrière, on prend une inspiration. À l'expire, on amène nos deux mains ensemble au cœur et on pousse notre talon gauche jusqu'en arrière dans un guerrier 3. Donc, on veut aller chercher avec le tronc et la jambe derrière une ligne horizontale. Mais ça peut arriver qu'on arrête ici. C'est parfait. Les mains ensemble, les épaules ouvertes, la nuque en ligne avec le tronc. Je sais, je me répète, c'est tellement important. Les abdos sont forts, le pied en arrière, il flex. On prend une inspiration. Et à l'expire, on revient à la verticale dans la posture de la montagne. Juste une belle grande respiration ici dans la montagne. Avant d'aller faire l'autre côté, inspire et à l'expire, abaisse les épaules, enracine les pieds, allonge la nuque. On amène le poids dans le pied gauche. On lève le genou droit, hauteur de notre hanche. Et on peut rester là dans une expiration, on peut allonger la jambe droite. On peut aussi aller porter la main gauche à l'extérieur de notre genou droit. Et ouvrir le bras droit en arrière. Toutes les entre-deux sont bons aussi. Hein? On aurait pu mettre la main droite sur la hanche. Puis pousser, tourner notre sternum vers la droite. J'espère que vous m'entendez bien quand je parle de l'autre côté. Alors, main à la hanche, sternum vers la droite. C'est une option aussi avant d'aller là. T'sais, toutes les options sont bonnes. Il y en a tellement que je ne peux même pas toutes vous les nommer. Donc, le bras droit derrière est ouvert, allongé, les doigts sont forts. On fait attention ici si nos hanches se sont avancées là, par rapport à notre pied qui est au sol. C'est normal, c'est naturel. On va ramener les hanches au-dessus de l'appui de notre pied gauche. On prend une grande inspiration. Et en expirant, on amène les mains au cœur. On pousse le talon droit jusqu'en arrière et on va dans le guerrier 3. Les hanches vont rester ensemble, nivelées, horizontales. Et on va là où pour nous c'est possible. Allonge le bras, la jambe, pardon, avec le tronc. Prends une grande inspiration. À l'expire, reviens vers la montagne. Et retrouve le centre. Prends le temps de retrouver le centre, fermez les yeux, respirez dans la montagne. J'étais partie, le chat est en train d'arracher tout ce qu'il y a après les murs. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Vous êtes probablement encore dans la montagne. Et donc, on va inspirer vers la grande montagne ensemble. Inspire, dessine un cercle. Expire, on plonge vers la pince. Toujours en fléchissant les genoux. On ancre les mains. On va marcher nos pieds derrière. Déposer les genoux.
Arrivez à une demi-planche. Donc, mains sous les épaules, épaules dégagées des oreilles. On prend une inspiration et à l'expire, les coudes sont collés. On descend jusqu'à plat ventre au sol. Pour la posture du sphinx, on amène un coude à la fois sous l'épaule. Avant-bras au sol, paume au sol. On va éviter de laisser les épaules popper vers le haut et l'avant. On va les rouler, les abaisser derrière. Pousse avec les avant-bras, les mains vers le sol. Pense au cœur, au sternum qu'on veut soulever, ouvrir, aller porter en avant et vers le ciel. Le cœur se soulève, le sternum, mais le menton, lui, reste proche du sternum pour garder une nuque bien longue et dégagée. Dernier élément, c'est quoi? C'est les abdos qui sont actifs malgré l'extension du tronc. Pourquoi? Pour protéger le bas de notre dos. Les jambes sont fortes aussi. On veut garder les cuisses actives pour garder les jambes collées. On prend une dernière inspiration. Et en expirant, on dépose les paumes de main une par-dessus l'autre. On ouvre les coudes, on met le front sur les mains. On plie les genoux et on va bercer les pieds d'un côté à l'autre pour masser le devant des cuisses, masser les quadriceps. Pendant cet automassage, on peut aller au rythme qui nous fait du bien. Donc, ça peut être plus lent, plus vite que moi. Et on profite du fait qu'on est appuyé sur le sol, que l'abdomen est restreint, la cage thoracique aussi, ne peuvent pas se gonfler vers l'avant à cause de l'appui, pour sentir, comme dans la posture de l'enfant, qu'à chaque inspiration, la colonne vertébrale se soulève vers le ciel, et qu'on utilise tout l'espace qu'on a derrière nous pour prendre des respirations plus efficaces. Maintenant qu'on a bien massé les quadriceps, on devrait sentir que le corps est préparé pour la posture de l'arc. Je dis ça, là, mais ça peut arriver que ça ne vous fasse pas cette impression. C'est une suggestion d'impression. Donc, pour la posture de l'arc, on va s'assurer de déposer nos deux cuisses alignées parallèlement, genoux largeur de nos hanches. Une main à la fois, même main, même pied. On va aller chercher la cheville. Si jamais ce n'est pas possible d'aller chercher les deux chevilles comme ça, on peut prendre une serviette, une sangle, si vous en avez à portée de main. Ou on peut aussi faire une jambe à la fois pendant qu'on va faire ici, pendant que je vais démontrer la posture de l'arc. Vous pouvez étirer juste simplement une jambe à la fois. Ça devrait tirer devant votre cuisse. Donc, les deux mains vers les chevilles. Très, très important de savoir et de se rappeler qu'on va faire ici une extension du tronc, mais qu'on ne veut pas comprimer le bas du dos ici, donc on veut le garder long. Pour le garder long, le garder fort, on va utiliser les abdominaux en avant pour contrefaire l'extension trop grande qui pourrait se produire. Alors, on prend une inspire. Et c'est en expirant qu'on va créer cette extension-là. Première étape, on roule à baisse les épaules. Deuxième étape, on pousse les chevilles vers les mains et on tient avec les mains les chevilles. Ça va nous soulever. On n'est pas obligé d'aller très très haut. Ça peut arriver qu'on pousse puis qu'on reste appuyé au sol.
dans la posture de l'arc ou le demi-arc, comme j'ai montré tantôt, une jambe à la fois. On sent l'étirement dans l'épaule, les deux épaules, devant les cuisses, devant une cuisse, c'est selon. Et on relâche au moment où nous, ça nous convient, sur une expiration. Et on se retrouve, tout le monde, dans la posture de l'enfant. On pourrait être encore dans la posture de l'arc, c'est correct. Si on est rendu là, on va dans l'enfant, on passe par la demi-planche, on ramène nos genoux au centre du tapis, les hanches au talon et on se dépose. On a toujours l'option de mettre les bras le long des jambes ou de mettre les deux bras loin devant. C'est selon la sensation aux épaules, sensation à la nuque, on choisit la version qui nous permet d'être tout simplement confortable. Comme je disais tantôt en début de séance, ici on peut placer un bloc sous le front si le sol nous paraît trop loin, ça peut arriver. Et on observe notre respiration, on est dans notre bulle avec nous-mêmes. Cette bulle-là nous permet de rester ici maintenant, mais peut aussi nous porter à réfléchir, à laisser les pensées, les tracas quotidiens faire surface. C'est là qu'on doit leur demander de s'en aller et revenir à un élément conscient, un élément présent, comme la respiration ou la sensation de détente du corps, de travail physique qui s'estompe tranquillement. On peut ramener les deux mains près des genoux dans la posture de l'enfant, prendre une dernière inspiration et se dérouler en expirant, en activant les abdos, vertèbre par vertèbre. On vient s'asseoir sur les talons. Avec les épaules, on va faire un grand cercle en arrière. Quelquefois, on peut aussi y aller en alternance. Et on va passer les deux jambes d'un côté. On va se dérouler, amener les pieds à plat, vertèbre par vertèbre, grâce à nos abdominaux, on vient se coucher au sol. Si comme moi, vous étiez décentré sur le tapis, vous pouvez vous replacer un peu et vous dérouler jusqu'à temps d'avoir le dos à plat. Posture du demi-pont, on va placer les pieds largeur des hanches, genoux pointent le ciel. On active les abdos, les bras le long du corps, les paumes à plat et actives dans le sol. On lève les hanches. Une fois les hanches soulevées, on observe la sensation dans le bas du dos. Si ça va, parfait. Si ça ne va pas, descend un peu. On s'assure que les jambes restent parallèle, parce que souvent, en soulevant les hanches, les jambes vont s'ouvrir. C'est humain, c'est naturel, on les ramène. Active l'intérieur des cuisses pour le faire, aligne avec les crêtes iliaques. Et pour, si on le souhaite, aller plus haut, sentir qu'il y a plus d'espace, créer en plus de ce soulèvement des hanches-là, créer une ouverture du cœur, on va marcher les épaules, une vers l'autre en arrière, comme pour rapprocher les omoplates. Rapprocher donc du même coup les bras l'un de l'autre, ce qui va nous permettre d'ouvrir la cage, le cœur et de soulever les hanches un petit peu plus haut. Si on fait ça, on s'assure que les abdos restent actifs, toujours. Il y a beaucoup d'autres options dans le demi-pont, il y a aussi la posture du pont, aussi appelée la roue. Si on préfère, on peut faire celle-ci maintenant parce qu'on a le contrôle complet sur notre pratique personnelle. Même si je vous guide d'une certaine façon, là, vous avez toujours toutes les options que vous connaissez, que vous avez en tête. Et consciemment, on respire dans la posture du demi-pont. On va prendre par le nez une grande inspiration, on veut gonfler l'abdomen, gonfler la cage thoracique. À l'expire, nombril un peu plus fort, tiré vers le bas du dos.
et les hanches qui se soulèvent. Inspire, gonfle. Expire, abdos et hanches qui se soulèvent, qui font un travail contraire et c'est ça qui est agréable. Et on relâche. On peut réouvrir les épaules, dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. On vient déposer les hanches et on amène les genoux à la poitrine. Genoux, poitrine, yes, enfin, c'est pour certaines personnes peut-être. Moi, je suis bien contente. On va rouler ou rester immobile. On a aussi l'option d'amener le front vers les genoux si on veut étirer un peu plus le dos. Et en se berçant, si on souhaite le faire, on s'offre un massage autour de la colonne vertébrale, au niveau des hanches, bas du dos. Suggère un étirement classique du nerf sciatique qu'on pourrait aussi appeler le pigeon couché parce que c'est un plus beau nom. Alors on croise la cheville droite par-dessus le genou gauche, le genou droit va s'ouvrir et avec nos deux mains on va chercher le derrière de la cuisse gauche pour tirer dessus et ainsi rapprocher la cuisse et la cheville de nous. Ça va étirer à l'extérieur de la hanche, dans le moyen fessier, piriforme. C'est une zone où le gros nerf sciatique passe. Et en étant assis beaucoup, on peut développer une irritation du nerf sciatique. De dégager les muscles qui l'entourent, ça l'aide à respirer, à se renouveler, à rester sain. C'est ça qu'on fait en ce moment. Si on a pas mal, c'est de la prévention. Si on a mal, si le nerf sciatique fait des siennes et irradie jusqu'aux pieds, jusqu'aux mollets peut-être, eh bien, on peut le sentir présentement là, qui est rêche. Et on va de l'autre côté. Cheville gauche devant le genou droit. Tout ce temps-là, pendant le maintien de ce pigeon couché, on respire profondément, consciemment. Maintenant qu'on a étiré, on va masser avant de se déposer dans notre posture finale. Alors déjà, on peut ouvrir les bras, paume vers le ciel, les deux omoplates bien plaquées sous la cage thoracique. On est couché dessus. On dit en anglais, on va scoop le coccyx. En français, je ne sais pas trop. On va soulever le sacrum, le coccyx et les éloigner du bas de notre dos pour venir déposer le bas de dos bien à plat au sol. Pied très large, un genou à la fois, on va descendre pour la posture de l'essuie-glace qui peut être immobile ou en mouvement. On descend notre genou vers notre pied opposé. On va ressentir à chaque fois qu'on amène genou vers pied opposé. On est en appui plus sur une hanche, sur un fessier que sur l'autre. Et c'est exactement ça qu'on crée en tant que massage, automassage. Encore ici, tout ce temps-là, on respire. On respire consciemment. On peut se coordonner avec le mouvement. Et donc, inspirer à chaque fois que nos deux genoux pointent le ciel. Et expirer quand le genou tombe vers le pied. À chaque fois, on désactive complètement les muscles de notre jambe. On laisse tomber lourdement le genou.
ce massage. Ce massage est complété. On va aller vers Shavasana, en français, le cadavre. Posture finale de relaxation, d'intégration des bienfaits de la séance. Cette posture-là est nécessaire. Elle va tellement amplifier les bienfaits de la séance. Sautez-le pas, restez avec moi juste quelques minutes, puis je vais vous laisser aller. Donc, Shavasana modifié pour ceux et celles qui prennent soin du bas de leur dos, qui ont besoin de plus de support, c'est la meilleure version. Si on est totalement confortable au niveau bas de dos, que le bas de dos ne fait pas des siennes, on pourrait allonger nos jambes. Laissez les pieds s'ouvrir. Si, comme moi, vous avez des blocs à proximité, super intéressant ici de s'en servir. Et si vous allez les chercher, faites attention à votre dos, je vous montre comment. Je vais prendre mes deux blocs et je vais les placer pour Shavasana sous les cuisses. Cette version-là aussi donne plus de support au bas de notre dos, mais détend aussi les hanches. Fait que c'est un peu un entre-deux. Alors dans cette version, les cuisses sont appuyées sur le bloc. Comme tantôt, on s'assure de se couper, donc d'éloigner le sacrum du bas du dos pour aller bien déposer le bas du dos le plus près possible du sol. Et officiellement, Shavasana. Dans Shavasana, pour intégrer les bienfaits de la séance, on veut désactiver complètement tous les muscles du corps. On commence par désactiver les muscles du visage. On observe le front se lisser. Le tour des yeux se relâche. Les joues sont détendues. Tour des lèvres. On desserre les mâchoires si c'est le cas. On a l'option de laisser appuyer la langue au palais ou de la laisser tomber. On peut laisser un sourire se dessiner sur le visage grâce à la gravité qui pousse un peu sur les joues. Ce sourire-là se dessine naturellement et va suggérer un état d'esprit plus positif pour la journée qui s'en vient. S'assure d'avoir détendu toute la région des épaules, autour des clavicules, autour des épaules, le cou, tout ça est relâché, les biceps, les avant-bras. On sent que le dos des mains est lourdement appuyé vers le sol. Première fois que je dis ça, on détend les abdominaux, on n'en a absolument pas besoin ici. Détends les fessiers, les muscles du dos, les jambes, devant, derrière, mollets, jusqu'à la plante des pieds, jusqu'au bout des orteils, la détente est installée. Dans Shavasana, en plus de détendre musculairement tout le corps, va détendre la psyché, l'esprit, détendre notre mental en faisant abstraction de toute pensée parasite, de tout tracas quotidien, de tout ce qui n'a pas de lien avec le moment présent. Tout ce qu'on a fait avant, ce qu'on a à faire après la séance d'aujourd'hui, ça n'importe peu, parce que la seule chose qui est vraie, c'est ici, maintenant. Et ici, maintenant, on peut observer des éléments concrets qu'on reçoit via nos cinq sens. On peut
peut se concentrer, c'est personnel, sur la sensation de l'air sur la peau. On peut se concentrer sur la sensation, sur chacun des points d'appui du corps vers le sol. Chaque point d'appui est lourd et s'enfonce dans le plancher, ici, maintenant. Ici, dans la posture de Shavasana, on a le Halandara Bandha, la gorge, le verrou de la gorge dont j'ai parlé tout à l'heure, qui peut être actif et qui va créer ce bruit sourd. Vous savez, les bruits en continu, comme un ventilateur la nuit, comme une horloge, c'est des bruits qui nous permettent de méditer. Alors, on peut créer nous-mêmes un bruit dans la gorge qu'on entend dans nos oreilles, qui nous permet d'observer le moment présent et en plus de créer de la chaleur dans la région de la gorge pour amener de l'énergie dans le cœur, le plexus solaire, pour se remplir d'amour et de confiance en soi, pour faire vibrer ces énergies-là. Shavasana, ensemble, on va prendre une dernière respiration profonde par le nez. On veut gonfler l'abdomen, la cage thoracique, les deux ensemble pleinement et on va sur-inspirer. Et on expire, bouche ouverte fortement. Toutes les dernières tensions, s'il y en avait, sont parties. On va bouger les pieds, les orteils, les doigts, les mains. Et on va s'étirer. On fléchit les genoux si on avait les jambes allongées avant de rouler vers le côté. N'importe quel côté, un côté confortable. Et on prend un petit temps de pause en posture du fœtus pour une belle respiration. Venir se rejoindre assis dans le tailleur. Plusieurs façons de s'asseoir dans le tailleur. Soyez simplement confortable. Et en signe de réception d'une énergie nouvelle qu'on vient de créer pour soi, autour de soi, on va placer les paumes vers le ciel. On reçoit cette énergie, on l'accueille, on la prend, on la met là. Les épaules, on observe, sont peut-être, j'espère, plus détendues, plus dégagées. La cage thoracique peut nous paraître déliée, légère, souple, ouverte. On va déposer la main gauche près de la hanche, soulever le bras droit, on inspire, on ancre bien la fesse droite dans le sol. Expire, on va de l'autre côté, on réactive le corps, les deux hémisphères cérébraux pour repartir notre journée. Et expire de retour à la verticale, marche avec les doigts vers les côtés, on sent l'étirement devant les épaules. Le cœur se soulève et on dessine un cercle avec les bras. On va chercher toute cette énergie-là qu'on a créée pour soi et on l'amène avec les deux mains ensemble vers le front. Le cœur.
Namasté. Qui que vous soyez, ma lumière honore votre lumière. Merci d'avoir été là.